Le premier dauphin, c'est terrible, le grand, c'est terrible. Aucun problème de nourriture, bon appétit, libido du tonnerre, excellent skieur, Harvard Business School, la tête sur les épaules, l'espoir de la famille. Il s'est pendu par amour, perte d'un animal transitionnel suradoré. Une tortue s'étouffe dans l'aquarium et là, crise. Il a décompensé le pauvre trésor. C'est décevant, accroché à son balcon à une cravate, en plein hiver. Tout ça alors qu'il était appelé à régner. Araignée, hein, quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon. Le nouveau, on essaie de le dégoûter. On lui passe des films avec des gens qui vomissent. Il est attaché, on lui tient les yeux ouverts avec des pinces. C'est une question de vie ou de mort, soi-disant. Il fallait y penser. Et qui a décidé une chose pareille? Un conseiller médical? L'artiste associé? C'est une idée d'artiste, ça. Vous savez, un truc sadique. Chaque année, on en prend un. Avant, il y avait un nain, poursuit-il d'un ton véhément. Nous sommes une des dernières cours à avoir eu un nain. Il avait un petit uniforme à des clochettes, c'était formidable. Maintenant, on a des artistes en résidence qui se mêlent de tout. On devait faire ci ou ça, changez-moi cette déco sans arrêt pour montrer qu'on a des idées. Le gars arrive, majesté, il nous manque des monochromes dès le premier jour. Pitié, ne faites jamais ça. Écoutez, je suis un peu fatigué là, je commence toujours à fond et puis j'ai une baisse de régime. Je suis peut-être malade, c'est comme une hypoglycémie, mais en très très fort, vous voyez. Vous êtes médecin? En plus, vous allez voir, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Tais-toi, toi, vous allez voir, toi, tais-toi, dis dans le dauphin, tu commences à me courir, toi, hein. Maintenant, on va aller en salle de gym, hein, c'est ça? Donc le jardin, voilà. On a un problème. On a hérité d'un jardin. On a un jardin sur les bras. Jardin, je veux dire 60 hectares, c'est beaucoup, non? Demain, on fait une réunion. Ça va pas du tout. C'est une ruine. Mais le plus compliqué, ajoute-t-il à voix basse, en se penchant vers moi, le plus compliqué, c'est que c'était voulu au départ. Une fausse ruine. Il fallait y penser. Anglo-chinois. C'est un genre... Un château miniature écroulé sur la pelouse. Un moulin en miettes tout neuf, et deux siècles après, ça devient vraiment une ruine. Pas une fausse, une vraie. Alors ça commence. Comment rénove-t-on une vraie fausse ruine? En vieillissant la rénovation? En rénovant le vieillissement? Ça me rend malade. Je me sens pas bien, de toute façon. J'ai un problème de globules blancs, mais ils ne comprennent pas que je suis débordé, et puis vous allez voir, demain, ils sont incompétents. L'exil, ça ne rend pas dynamique. L'image baisse. Un de ces jours, on va se faire recouper la tête. Il est gentil, ce dauphin. Doucement. Il est affectueux. Vous verrez. Mais vous aurez du mal à lui faire faire du ski, poursuit l'homme en riant très fort pour la première fois, simulant des deux mains un fauteuil roulant. Le télésiège de Monseigneur est avancé. Bonne chance.